Eh ben oui. Attends. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vois pas que je t'appelais à cogner? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Parle pas quand je cogne. Quand je cogne, j'entends absolument rien, niaiseux. Non, non. Ou je cogne, ou tu parles, ou je cogne. Faut se percher, là. Tiens ça, là. Oh, toi, là! Ah! Le cordon est posé, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, ben, je... Hey! Reste pas là comme un niaiseux, là. Mais dis, il y a de la colle, là. La colle est finie, là. Prends le pot de colle, sors là, puis il fait quelque chose. On dirait que t'es là, tu tournes en rond. Tu passes des journées de job en porte à tourner, à rien faire. Te prends-tu pour un machiniste de Radio-Canada? Tu voles! Comment? Il se revanche, les gars. Ben, viens voir, là! Hein? Tu m'ôteras jamais de la tête, mon vieux. L'idée que poser du tapis, c'est le plus bel job. Qu'est-ce que je dis job? C'est pas job. C'est un métier. C'est une profession. Poser du tapis, c'est la plus belle profession au monde. Je peux-tu parler? Ah ouais? Moi, je pense que c'est un beau métier, là, mais c'est fatigant, par exemple. Comment fatigant? Comment ça peut être fatigant de poser du tapis? Explique-moi ça, tête plate. Ben, c'est parce que c'est dur pour les genoux. On est à genoux. On est à genoux, mais on est à genoux sur du beau tapis. Ouais. Si t'es un bédeau, n'importe quel bédeau, dans n'importe quelle église, il passe sa vie à genoux. Il passe sa vie à genoux sur quoi? Sur les dalles, là. Il passe sa vie à terre, sur le plancher. Pas de tapis. Nous autres, on a des beaux tapis. Qu'est-ce que t'as broyé? C'est vrai. C'est dur pour la palette, ça, à genoux direct, ça, là. OK. Toi, ta palette correcte. Comment? Vous avez pas encore fini de poser votre tapis? Mme Lanois! Dites-moi donc. Oui? Êtes-vous jumelles? Non, mais blondes, tous les deux, à peu près la même grandeur, oui. À peu près le même âge. Des amis seulement. Vous êtes des amis? Des grandes amies. Non. Oui. Comment ça, vous m'avez pas présenté, Mme Lanois? Non! C'est peut-être une cliente éventuelle, on ne sait pas. Oui. Ça vous mais il est bien beau, votre tapis, vous. Il est beau, je comprends, c'est beau. C'est notre spécialité, ça. Il est pas mal beau. Ouais. Et on m'a donné... C'est de la qualité. Oui, on m'a donné la science. Vous savez que c'est dans le moment, c'est la grande vogue. Hein? Oui. Tout le monde veut dire, je ne sais pas le diable comment ça se fait. Avant, c'était du prolat. Ben, du prolat domestique, là. Oui. On posait ça. Ben, je veux dire, de maison, tu sais. On est supposé du prélat domestique, là, c'est effrayant. Ah. Puis là, la rage, c'est des tapis partout, ça n'a pas de bon sens, les tapis. J'aimais ça. Oui, pas mal beau. Avez-vous une grande maison? Vous allez venir chez nous après, c'est sûr. Oh oui. Commencez par finir, oui. Je vais m'attendre dans le truck, toi. Où c'est que vous restez, vous? C'est vous restez, où? Pas loin. Monsieur... OK, c'est dans mon quartier, ça. Oui. Monsieur Tranchemontagne. Oui. On m'a donné l'assurance que ce tapis avait vraiment la qualité d'un tapis de Turquie, n'est-ce pas? Oui. Ça va. À te parles-tu, lui? À te parles-tu? Madame, vous avez là la qualité des tapis de Turquie au prix des tapis de Taïwan. C'est un bon deal, ça? Bon, faire la même affaire à vous. Madame Bonne, monsieur. La même chose. Si on allait prendre une tasse de thé. C'est effrayant, si vous ressentez. Suivez-moi. Oui. Je vous appelle. Oh, oui, appelez-moi. Appelez-moi ici, Louis. C'est mon nom. Bonjour. Ah, boy. Non, mais c'est-tu beau? Regarde ça. C'est-tu beau? On a fait de la maudite bonne job. Ah. Belle job? On jurait que c'était fait par des professionnels. C'est quoi, vous voulez rire, là? Comment? On est des professionnels, nous autres? Ben justement, c'est ça que je te dis. Ah. Tu dirais, c'est un travail de professionnel. Ah, ouais, reste pas là, ramasse les retailles. Sacre-moi ton camp, fais quelque chose. Bon. C'est moi, là. Oh, non, non. Moi, quand j'ai fait de la bonne job de même, là. Eh bien, oui. Ça me donne le goût de fumer, tabarnak. Ben, c'est ça. Je vais fumer une bonne cigarette, voilà. Là. Étouffe-toi. Ah, boy. Non, où c'est que j'ai mis mes cigarettes, moi? Ah, je sais-tu, moi, c'est que t'as mis tes cigarettes. Les cigarettes, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Hein? Dis-moi que c'est pas vrai ce que je vois là.
Où ça, Miss Là, 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 regarde, là, 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 là. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma maudite tête plate d'innocent. T'as pas fait ça, toi. T'as échappé ton paquet de cigarettes, mon maudit niaiseux. On a posé le tapis par-dessus. Ah! C'est ça qui est là, là. C'est ça, la bosse que l'on. Mais c'est effrayant. C'est effrayant, je comprends que c'est effrayant. Hein? Un paquet neuf. Un paquet neuf. Laisse faire le paquet neuf, maudit niaiseux. Tu te rends pas compte qu'on peut pas laisser ça comme ça dans le milieu du salon? Voyons les gens quand ils vont arriver. Madame Lanoir, t'as vu, tu sais comment ça marche, Madame Lanoir? Elle va arriver là, puis justement, elle va s'enfarger, puis elle va s'encasser, Lanoir! Ben, ça paraît presque pas. Faut vraiment regarder, là. Ça paraît pas, mais ça s'enfarge dedans, ça va paraître à maudit. Voyons donc, puis l'autre, sa jumelle, là, penses-tu qu'elle va nous donner un job? Ben, ah oui. OK. J'ai une idée. Ce qu'on va faire, là, on va tout arracher le tapis, puis on va aller prendre mon paquet de cigarettes. Innocent. Tu le sais, on vient de le poser. C'est du tapis mur à mur qui a été collé partout. Que si tu veux, c'était collé. Ah, oui. On peut pas arracher ça. Ça s'enlève pas du tapis mur. Ça, c'est bien collé, certain. C'est moi qui ai tendu à colle. Oui, puis là, c'est moi qui devrais t'étendre. Ah, mais on va l'arracher le tapis, puis. Le tour va être joué. Mais t'as joué un maudit tour, arracher un tapis. Sais-tu ce que c'est que d'arracher un tapis comme ça? Sais-tu ce que t'arraches quand t'arraches le tapis? T'arraches le caoutchouc, t'arraches tout. Ça veut dire qu'on recommence la job au grand complet, ça. OK. T'as-tu fini tes maudites niaiseries? OK, ben, on a juste. Écoute ça. On a juste à découper un beau petit trou. Prends mon paquet de cigarettes. Si je t'en découpais un trou dans le cerveau, penses-tu que je trouverais quelque chose d'intéressant là-dedans? Hein? Découper un trou! Je t'en fais, là, découper un trou, mais. Donne-moi le marteau! Ah oui! Ça s'arrête! C'est quoi, là? Vous voulez me faire un trou? Donne-moi le marteau! Où c'est qui, là? Il est là! Mais vous voulez pas me découper un trou dans la face, là, j'espère? Non, mais ça me tente. C'est pas parce que ça me tente pas, ça me tente en maudit. Hey, non, pas mes cigarettes! Non! Mes cigarettes! Hey, veux-tu me sacrer patience avec tes maudites cigarettes? C'est notre job et notre réputation qui est en jeu! Hey, à chaque coup que vous donnez, là, je perds une pièce et quart! Ben, c'est ça, t'es, ah ouais! T'es, v'là une coupe de marteau, là, de coups de marteau, rien que pour l'atteindre! Ah ouais, avec c'est toi, là! Ah ouais! Danse là-dessus! Non. Danse! Danse là-dessus, mon crime! Oh! OK! C'est pas pire, pas en tout. Ça se voit quasiment plus. Ah, toi, tu vas m'en avoir fait des... Ça pourrait être à vous, ce paquet de cigarettes-là, parce que Mme Bolduc et moi, on fume pas ni une ni l'autre. Mes cigarettes! Mais par contre, il y a quelque chose qui me manque. Oui, qu'est-ce qui vous manque, là? Est-ce que vous auriez pas vu ma perruche? Oh.